Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du cycle désormais fameux Bibliogrill, un épisode qui a une saveur particulière puisque nos Bibliogrill fêtent à, au jour près leur 1 an et nous tenions à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à les suivre en direct et en replay. On est très heureux de ce petit succès pour la délégation et surtout pour les bibliothèques. Aujourd'hui, pour cet événement, cet anniversaire, nous avons sur notre bibliogrille le plaisir de recevoir Aurélie Bertrand. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Aurélie Bertrand, vous êtes responsable du Centre de Chambéry-Savoie Biblio à la direction de la lecture publique du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Mais si on vous a demandé d'intervenir autour de cette fameuse question qui a beaucoup fait parler, je le sais, avant notre bibliogrille, une bibliothèque sans chef, c'est possible, point d'interrogation. C'est par rapport à votre précédent poste au sein de la Bulle d'Annemasse, où vous avez conduit avec l'équipe une réflexion assez intéressante et même assez innovante, on va dire, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Bibliogrill. Pour commencer, peut-être Aurélie, je vous propose de nous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est que la Bulle d'Annemasse. La Bulle d'Annemasse, c'est un tiers-lieu culturel plutôt de lecture publique qui n'est pas immense, hein, qui fait 250 mètres carrés, qui n'a pas beaucoup de paillettes non plus, c'est du mobilier qu'on peut trouver un peu partout. Ce tiers-lieu, il propose à la fois des services de médiathèque, des services de ludothèque, et puis quelque chose d'un peu plus spécifique, qui est de l'accompagnement à projets citoyens. Il a ouvert en mars 2020, donc une semaine avant le confinement, mais ça ne l'a pas empêché de fonctionner dès qu'il a pu et maintenir en tout cas son action auprès des habitants, puisqu'il est issu d'une démarche de co-construction d'environ 5 ans avec l'ensemble des habitants. Il a aussi une particularité, mais qui est un peu à côté du sujet d'aujourd'hui, qui est qu'il a une gouvernance partagée. Entre les habitants, entre les élus et l'équipe qui est sur place. Alors, je m'aperçois, mais vous en avez l'habitude maintenant, puisque je le disais, cela fait 1 an que nous proposons ces bibliogrilles, que, chers collègues qui nous suivez, vous avez la possibilité de poser vos questions dès à présent en commentaire sur notre page Facebook. Voilà, l'oubli est réparé. Alors, sans plus attendre, Aurélie, puisqu'on a beaucoup fait d'annonces autour de cet organigramme circulaire, qui est la particularité de la Bulle d'Annemasse, je vous propose maintenant de le présenter, de nous le présenter, ce fameux organigramme circulaire. On reviendra bien sûr après sur la démarche qui a conduit à ce résultat si original, on va dire. Donc là, c'est une version qui date du début d'été 2021. J'ai changé de fonction, vous l'avez signalé, au 1er septembre. Et donc, c'est Emma Laribaud qui a pris la suite du projet et qui continue à le mener sa vie. Donc, cet organigramme, il a effectivement la particularité d'être circulaire. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe qui est hybride. Ça, c'est une autre particularité, c'est-à-dire qu'on a environ 14 personnes. Mais sur ces 14 personnes, on a une partie qui est agent municipal et une autre partie qui est salarié associatif avec une association avec laquelle la ville avait conventionné. Donc on est sur un peu moins de 10 équivalents temps plein. Il a aussi donc cette équipe hybride, en fait, c'est vraiment une seule et même équipe. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux services qui font de la colocation, mais c'est vraiment un seul service qui fonctionne de manière tout à fait entremêlée. Et vous voyez donc des appellations, par exemple coordination, vie du lieu, ça ce sont des noms de domaines, c'est-à-dire des ensembles dans lesquels on a des personnes qui sont référentes. Donc en général, ces référents, il y en a deux, et ce sont des binômes, une personne salariée associative, une personne agent municipal, et les deux ont vraiment le même niveau de responsabilité au sein de ce domaine. Le rôle de référent dont je viens de vous parler, c'est un peu spécifique. C'est un rôle qui a émergé au moment de la construction de l'équipe, qui n'a pas de lien hiérarchique, c'est-à-dire que voilà, les référents vie d'équipe n'ont pas de lien hiérarchique avec les autres personnes. Par contre, ils ont un rôle de vigie, de vérifier que les tâches qui sont à l'intérieur sont bien faites par eux ou par d'autres personnes, mais en tout cas qu'il n'y ait pas d'oubli. Ils pilotent du coup un peu ce domaine et sont vraiment des interlocuteurs privilégiés, y compris pour les autres services ou pour tous les extérieurs. Ce sont les points d'entrée sur cette question-là.
cet organigramme, il a, vous le voyez, les citoyens au centre. Ça, c'est lié vraiment à cette notion de gouvernance partagée où quelque chose qui irrigue, c'est-à-dire qu'on est vraiment au service de ces citoyens et ça se matérialise du coup aussi dans cet organigramme. L'impact d'avoir cet organigramme sur le service que ça a pu générer, eh bien, ça a par exemple augmenté les innovations. Il y a eu beaucoup plus d'expérimentations qui ont pu se mettre en œuvre. Ça a aussi amélioré la réactivité du service par rapport à une organisation plus traditionnelle. Et puis, ça a généré pas mal d'agilité, mais peut-être qu'on y reviendra après. Alors, effectivement, merci Aurélie pour cette présentation de cet organigramme circulaire. Alors, on voit là le résultat, ce qui, je pense, va intéresser nos collègues, et on y vient tout de suite, c'est quelle a été la démarche qui a conduit à ce résultat. Alors, cette démarche, elle est située déjà dans un ensemble plus large, c'est-à-dire que ce service, il fait partie d'une collectivité municipale, et cette collectivité s'était engagée quelques années précédemment sur une démarche de transformation managériale qui s'appelle collectivité libérante. Donc, cette démarche elle a amené à la création d'un poste donc, que j'occupais, qui était un poste de chargé de mission innovation et modernisation, qui avait pour 50% la coordination de la bulle et 50% le développement, le pilotage de la démarche managériale sur l'ensemble de la ville. Et la bulle, du coup, a été conçue comme étant une sorte de terrain d'expérimentation de cette démarche managériale qui va vraiment vers plus d'horizontalité. Donc, comment est-ce qu'on a procédé? On a commencé par travailler sur les valeurs. Ces valeurs, elles ont été travaillées avec les habitants notamment. Et donc, on est arrivé à 4 valeurs qui sont encore aujourd'hui hein, vraiment des piliers du fonctionnement. Ils sont vraiment incarnés. Et donc, on a l'ouverture, l'innovation, la coopération et l'inclusion. Et à partir de cette valeur, eh bien, avec l'équipe, on a souhaité mettre en cohérence notre organisation interne avec ce fonctionnement qu'on voulait avoir avec les citoyens axé sur ces valeurs. Et donc, du coup, la confiance est venue vraiment se nicher au cœur de tout ça. Pour être sur l'ouverture, pour être sur l'inclusion, il faut être en confiance. Et donc, il faut que moi, en tant que coordinatrice, que je puisse redistribuer ma confiance à l'équipe pour que l'équipe soit elle-même en capacité de la redistribuer derrière aux citoyens. Pour que tout le monde ait vraiment sa place. Donc très concrètement, en fait, on a fait un atelier avec les collègues pour savoir quelles étaient les activités nécessaires au fonctionnement du lieu. On les a ensuite regroupées ensemble hein, avec des outils d'intelligence collective en domaine. Donc il y a eu des discussions pour savoir où allait arriver chaque activité. Chacun des collègues s'est positionné sur ses domaines en fonction de ses compétences, mais à égalité également avec ses envies, quelles étaient ses motivations. Donc les deux ont vraiment été positionnés à égalité. On a fini par définir des binômes qui ont précisé leur rôle, leur priorité d'action. Ensuite, on est allé sur l'élaboration de la fiche de poste avec un choix d'intitulé aussi qui est pas du tout neutre, hein, puisque la plupart des fiches de poste s'intitulent « facilitateur » et non pas « médiateur » ou « bibliothécaire », donc ça a vraiment du sens. Et quand il a fallu regrouper toutes ces fiches de poste et créer un organigramme, très vite, la hiérarchie ou l'arbre qu'on a habituellement n'ont pas du tout trouvé de résonance avec tout le travail qu'on avait pu faire. Et en manipulant, on est arrivé à ce format circulaire où chacun avait vraiment sa place et où transparaissait à la fois la place des citoyens et cette horizontalité entre nous. Alors, justement, c'est un peu la question, forcément, je pense que plusieurs collègues se posent en nous écoutant, en vous écoutant, Aurélie. On l'a intitulé ce bibliogrill, une bibliothèque sans chef. Et finalement, j'ai envie de vous demander comment ça se traduit concrètement. On vient de voir là la démarche, mais on le sait tous, une bibliothèque, il faut la faire vivre. Donc, du coup, comment ça se passe? Oui, alors la question, c'est effectivement une bibliothèque sans chef, mais ce n'est pas une bibliothèque sans responsable. C'est-à-dire qu'on a aussi dans ce rôle que chacun peut prendre, distinguer en fait la prise de décision et le portage de la responsabilité de cette décision. Donc il y a bien une responsabilité qui reste au niveau de la coordination. Donc le coordinateur, en l'occurrence la coordinatrice, porte bien la responsabilité des décisions qui sont prises pour le fonctionnement de l'établissement. Elle reste le dernier arbitre lorsqu'il y a vraiment besoin d'arbitrage.
mais au quotidien, en fait, les décisions sont prises par le collectif. Ce qui crée, enfin, ce qui génère ce fonctionnement en dissociant les deux, vraiment une relation de confiance mutuelle. C'est-à-dire que l'équipe fait confiance à sa coordinatrice pour porter la responsabilité, mais dans l'autre sens, la coordinatrice fait confiance à son équipe pour prendre les bonnes décisions. Et c'est parce qu'il y a cette interdépendance que du coup, l'ensemble fonctionne. Ça fonctionne aussi parce qu'il y a ces valeurs qui vraiment sont le sens dans lequel tout le monde avance. Il y a vraiment une adhésion très forte hein, à ce système de valeurs. Et puis, il y a également un principe très concret hein, qui est le principe de subsidiarité. Alors, très souvent, on parle de délégation et on ne voit pas bien la différence entre les deux concepts. Si j'essaye de l'imager, vous imaginez que vous êtes, votre structure, c'est une colocation et vous avez le facteur qui sonne à la porte. Si c'est le chef qui vient chercher le colis et qui va le donner à un des colocataires, vous êtes dans une délégation. Vous êtes le point d'entrée et vous distribuez après. Vous choisissez ou pas de distribuer, vous distribuez. Si c'est n'importe quelle personne de l'équipe qui va chercher le paquet, que l'équipe l'ouvre ensemble et s'il y a besoin, vient le donner au coordinateur ou à la coordinatrice, là, vous êtes dans un principe de subsidiarité. C'est-à-dire que c'est par défaut, l'ensemble appartient à l'équipe et l'équipe est suffisamment mature pour pouvoir dire, ben, ça, attention, ça, c'est pas de notre sort, on le passe au-dessus. Donc, c'est vraiment une inversion du principe qu'on connaît habituellement. Toujours très concrètement, ça veut dire, bah, par exemple, des réunions d'équipe où on va traiter de l'actualité du service où il n'y a pas forcément la coordinatrice, puisque ça appartient à l'équipe. Par contre, s'il y a un point à discuter, on peut revenir vers la responsable pour en discuter. Concrètement également, ça veut dire que les plannings sont autogérés par l'équipe. Ça veut dire qu'il y a des outils de pilotage, y compris stratégiques, qui sont en toute transparence, qui sont accessibles en permanence à tous les membres de l'équipe. Dans une autre traduction concrète, c'est que par exemple, au lieu d'avoir un règlement très exhaustif, eh bien, on va avoir des fonctionnements plutôt par arbre de questions. C'est-à-dire quelles sont les questions qu'on va se poser et chacun trouvera la réponse. Donc, on est vraiment dans un système qui fonctionne, un système qui est structuré, qui est organisé avec beaucoup d'outils. Hein. Parfois, on a l'impression que c'est un peu, ça part dans tous les sens, mais pour avoir vu, y compris d'autres tiers-lieux hein, qui ont aussi des fonctionnements un peu alternatifs, et souvent, on a des choses qui sont extrêmement outillées, extrêmement structurées. Alors, justement, la question que je pense qu'on peut se poser quand on est extérieur à ce genre de projet, c'est comment ce mode d'organisation différent est-il vécu par différents acteurs, à la fois par l'équipe, par la tutelle, par la hiérarchie aussi, et peut-être enfin, ça sera le dernier élément, par les autres services, puisque vous évoquiez, la bulle est au sein d'une collectivité territoriale. Alors, peut-être commencer par l'équipe, Aurélie. Oui, ça, je vais essayer de décomposer. Au niveau de l'équipe, ce que je constate et la personne qui a pris le poste aujourd'hui constate également, c'est un très fort engagement de l'équipe dans le projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des discussions un peu animées, hein, puisque plus on est engagé et plus on défend aussi ce à quoi on croit, mais le désaccord, si on l'accepte, peut vraiment être constructif. Donc, des fois, ça frotte, mais ça construit. Et lorsqu'il y a une décision qui est prise, elle est vraiment assumée par l'ensemble du collectif. Enfin, il y a vraiment un accord de l'ensemble du collectif. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est donnée, mais il y a aussi, dans ce système-là, beaucoup de reconnaissance immédiate en fait, qui est reçue par les collègues sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui ressort assez fort hein, dans les échanges qu'on peut avoir. Et puis, on constate également une montée en compétences des collègues, puisque eh bien, lorsqu'on est plus distribué, on a aussi accès à plus de choses, et donc ça vient stimuler les compétences. Donc, on est finalement sur une équipe qui est à la fois plus autonome et aussi plus transversale. Et c'est parce qu'il y a les deux aspects que ça fonctionne bien. Je crois que le point d'après, c'était les élus. Oui, les élus et la hiérarchie, voilà. C'est ça. Donc, au niveau des élus, il y a une anecdote que je raconte parfois, qui est que ben, comme vous n'êtes pas dans tous les éléments, il y a plein de choses qui vous échappent, hein, mais ce n'est pas grave puisque ça fonctionne. Et donc, ça m'est arrivé de me retrouver face à un élu qui me faisait un retour très positif pour le coup sur une animation qu'il avait eue la veille. Et ma réponse a été de dire, écoutez, je ne savais pas que ça se faisait, mais c'est super si ça vous a plu.
Et donc, évidemment, la réaction en face a été un peu de surprise. On se dit, mais comment ça, vous ne saviez pas que ça se passait, c'est comme chez vous. Et en fait, c'est très intéressant d'aller assumer déjà ça, le fait qu'on ne sache pas tout ce qui se passe. Et puis surtout, ça vient réinterroger quelle est la place du cadre, en fait, quelle est la plus-value du cadre. Et donc, du coup, s'engage une discussion sur, ben, ouais, mais est-ce que ma place, c'est d'aller vérifier qu'il y ait 3 chaises pour faire l'animation? Ou bien c'est de savoir que mon équipe va dans le sens qui est bénéfique pour le service public. Donc voilà, c'est vraiment des discussions qui sont assez intéressantes. Donc finalement, ça a beaucoup interpellé au départ, mais ça a engagé des discussions et ça a fait aussi son chemin auprès de pas mal d'élus. Et on a plutôt un bel engagement politique dans ce projet. Au niveau de la hiérarchie, il y a eu au départ donc un soutien très fort. Après, il y a eu un changement de direction générale, hein, donc aussi un réajustement du de la collectivité. Il n'empêche que de manière très pragmatique, le projet fonctionne, qu'il a des résultats qu'il n'aurait pas avec un fonctionnement traditionnel. Là, les chiffres sont très clairs. Et donc, du coup, eh bien, on ne vient pas l'attaquer, on ne vient pas remettre en cause son fonctionnement, puisqu'on ne pourrait pas avoir un service équivalent. Le dernier point, c'était les autres services. Ça, c'est peut-être le point qui est le plus délicat. Parce qu'il y a quand même, il ne faut pas le nier, des frottements qui existent avec les autres services parce qu'on ne rentre pas dans le cadre, parce que eh bien, il ne suffit pas de passer un coup de fil de chef à chef pour régler un problème. C'est un peu plus subtil que ça. Donc ça ne marche pas comme d'habitude. Et puis, il y a aussi parfois un peu de méfiance de se dire « Oula, mais si ce service-là fonctionne comme ça, est-ce que moi, mes agents, à un moment donné, ne vont pas venir remettre en cause aussi ma posture à moi ?» Et voilà, donc ça vient chercher aussi sur plein de niveaux, en fait, les autres services. Parfois, ça se passe très bien et puis parfois, ça frotte un petit peu plus. Alors justement, ça sera ma dernière question, Aurélie. Là, dans le cas de la bulle d'Annemasse, il s'agissait de la création d'un nouvel équipement, d'un nouvel établissement. Forcément, on peut se poser la question, est-ce qu'il est aussi possible de modifier cette organisation quand on n'est pas sur une création d'établissement, quand son établissement existe déjà, a déjà un organigramme peut-être un peu plus conventionnel, on va dire. Est-ce que c'est quand même possible de faire bouger certaines choses? Alors, le problème, une fois qu'on a connu cette organisation, c'est qu'on a du mal à accepter de revenir en arrière. Ça, c'est une question qu'il faut avoir en tête. Ce qui veut dire que quand j'ai changé de fonction, j'ai intégré donc une structure bidépartementale, hein, aujourd'hui qui s'appelle Savoie Biblio, donc qui avait une structuration plutôt très traditionnelle avec un organigramme en pyramide, comme on connaît dans beaucoup d'endroits. Un de mes challenges a été de me dire, eh bien, est-ce que je vais pouvoir aussi faire avancer les choses dans cette structure? Donc, j'ai commencé par voir un peu ce qui se passait au niveau des collègues, savoir où en était l'équipe, quels étaient leurs besoins. Dans les besoins sont ressortis un besoin de sens, de remettre du sens derrière le travail, qu'on connaît hein, dans beaucoup, beaucoup d'endroits, puis dans beaucoup de métiers aussi d'une manière générale, et puis une envie de collectif. Donc, du coup, j'ai été chercher aussi les marges de manœuvre que je pouvais avoir sur ma propre hiérarchie, moi, qui a été très favorable au fait de se dire tout ce qui peut faire avancer le service, allons-y, qui était déjà sensibilisé aux outils d'intelligence, donc ça, c'est plutôt un avantage, mais beaucoup de collectivités font aussi des avancées dans ce domaine-là. Et donc, du coup, on a commencé par travailler sur les temps collectifs. Comment est-ce qu'on pouvait revoir peut-être les temps collectifs? Comment est-ce qu'ils pouvaient fonctionner peut-être différemment? Est-ce qu'il pouvait y avoir des temps collectifs sans ma présence? Donc, petit à petit, voilà, essayer d'aller semer comme ça des petites choses, prendre des habitudes, se rendre compte qu'en fait, finalement, ça se passe bien. Pouvoir aussi aller sur le soutien lorsqu'il y a une initiative qui est prise par l'équipe. Eh bien, voilà, peut-être que ce n'est pas forcément la solution que moi, j'aurais trouvée. Mais ce n'est pas grave. C'est la symbolique là qui est extrêmement importante. Et donc, aller soutenir cette initiative-là qui, bien souvent, marche de toute façon, même si ce n'était pas ma solution. Et de pouvoir comme ça aller sur instiller d'autres fonctionnements. Et aujourd'hui, donc un peu plus de 6 mois après la prise de poste, on est sur une réorganisation du service qui n'aboutira peut-être pas, il y a peu de chances à un organigramme circulaire parce que les contextes sont très différents et il n'y a pas un modèle. Donc il y a autant de variétés de modèles, de fonctionnement possible ou d'organigramme possible que de contexte. Mais en tout cas, on est sur cette réorganisation, c'est l'équipe
qui travaille sur l'identification des activités, qui est en train de reconstruire les profils pour leur donner du sens, et qui ensuite iront aussi sur un choix parmi ces profils, savoir ce qui les intéresse. On mettra en place un parcours de compétences derrière. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi des choses qui sont possibles. Peut-être qu'on va moins loin, peut-être qu'on va moins vite, mais ce n'est pas pour autant que rien n'est possible. On peut vraiment faire du chemin un pas après l'autre. Alors, merci Aurélie. On a déjà beaucoup de questions qui nous sont arrivées par Facebook. Donc, on va s'arrêter là pour les questions de notre part, de l'équipe. Et je vais donc vous transmettre. Alors, on a plusieurs questions qui ont trait, peut-être qu'on peut commencer par celle-là, aux agents. Donc, on vous demande, est-ce que chacun travaille à temps plein ? Combien de TP, combien d'agents ? Peut-être une dernière comme ça que j'associerai dans la même thématique. Les agents sont-ils tous de même grade et y a-t-il une différence de responsabilité selon leur grade? Alors, sur les données, donc ça j'ai les données actuelles, donc je vais vous donner ce qui est aujourd'hui, puisqu'il y a eu une montée d'effectifs liée à différents mouvements dans la collectivité. Donc aujourd'hui, il y a 14 personnes qui travaillent dans ce lieu, y compris la coordinatrice. Ces 14 personnes, ça représente un peu moins de 10 équivalents temps plein. On est autour de 9,75. Et comment ça se décompose pour être vraiment le plus concrète possible? Eh bien, on a un peu moins de 7 ETP agents municipaux. Donc, on a une coordinatrice, on a 5 facilitateurs, qui sont soit des facilitateurs culturels, soit des facilitateurs sociaux, soit des facilitateurs numériques. Un service civique et un conseiller numérique qui est partagé entre plusieurs établissements sur la ville. À cela s'ajoutent 3 équivalents temps plein des salariés associatifs qui sont portés par 6 ludothécaires, sachant qu'il y a parmi ces 6 ludothécaires, en gros, 2 personnes plutôt fixes sur la bulle et puis un temps plein qui est partagé entre les autres collègues. Donc ça, c'est vraiment pour être très, 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 très clair sur ces données-là. Est-ce que j'ai oublié une partie sur les catégories? Voilà, donc on est sur une équipe où il y a un catégorie A qui est la coordinatrice. On a un catégorie B qui est un ancien médiateur social qui a été intégré récemment à la bulle, donc qui est resté évidemment catégorie B. Et le reste de l'équipe est sur du catégorie C. Les responsabilités sont partagées à équivalence entre toutes ces personnes, avec ce qui justifie, on va dire, le catégorie A, c'est le portage de la responsabilité, c'est-à-dire que c'est cette personne-là qui va assumer l'ensemble du fonctionnement et puis toutes les décisions et tout ce qui peut être généré, les impacts. Donc voilà, c'est ce qui justifie entre autres ce niveau de catégorie A. Et puis c'est aussi cette personne qui va aller représenter le service dans toutes les autres instances, qui va prendre en charge aussi les aspects notes politiques, administratives, etc. Alors justement, une question qui est revenue 2 fois, donc c'est dire si elle intéresse nos collègues. Qui fait les entretiens annuels s'il n'y a pas de N+1? Il y a un N+1 parce que officiellement, vous êtes tenu d'avoir un N+1. Donc la coordinatrice fait les entretiens annuels de l'ensemble de l'équipe agents municipaux. Elle ne fait évidemment pas les entretiens annuels des salariés associatifs, ce qui n'empêche pas de pouvoir avoir des temps informels. Je ne sais pas si ça a été gardé, mais en tout cas, lorsque j'étais coordinatrice, j'avais mis en place une évaluation aussi par l'équipe de mon travail pour être toujours dans cette double circulation de la confiance. Donc, l'équipe me faisait mon entretien aussi, si on peut dire, officieusement. Mais en tout cas, il y avait vraiment ce temps d'échange. Alors, on vous demande peut-être, avez-vous un exemple à illustrer d'un mot? Parce qu'on a vraiment, et je vous en remercie toutes et tous, beaucoup de questions. On vous demande des exemples de projets citoyens accompagnés, sans doute par rapport à ce que vous avez évoqué au début. Oui, alors un des projets qui a émergé quand j'y étais et qui est mis en place là, qui est en cours de mise en place, c'est un projet qui est porté par une association autour de la notion de consentement. Donc, cette association souhaitait qu'il y ait une action qui soit faite au niveau de la ville sur la notion de consentement.
et donc est arrivé avec une ébauche, quelques idées. On a travaillé vraiment avec eux pour affiner ce projet, pour leur donner aussi accès à notre réseau, leur donner accès à nos moyens. Et donc là, aujourd'hui, le projet est en cours de réalisation avec des établissements scolaires, avec des artistes locaux, avec voilà, des structures sociales également, pour pouvoir venir vraiment amener sur l'ensemble du territoire de la ville cette question-là. Alors, on vous demande aussi, et c'est un peu l'objet des fois de nos bibliogrilles, s'il y a des points négatifs à ce fonctionnement. Des points négatifs, oui, je l'ai dit, hein, ce n'est pas non plus le monde des bisounours, il ne faut pas imaginer que ce soit toujours tout simple. Je l'ai un peu dit au moment de la question sur l'impact sur l'équipe. On a des personnes qui sont très engagées, qui sont vraiment porteuses des valeurs, hein, qui sont affichées. C'est-à-dire que si je reviens sur les projets citoyens, en fait, ces projets citoyens, pour savoir si on les accompagne ou pas, enfin, si on les soumet au vote pour savoir si on les accompagne ou pas, il faut d'abord qu'ils passent le crible des quatre valeurs. S'ils ne sont pas dans les quatre valeurs de la bulle, on n'y va pas. C'est vraiment quelque chose qui est incarné au quotidien. Et donc, du coup, de porter ces valeurs, eh bien, ça vient interroger nos choix très souvent. Et parfois, on part sur des solutions par réflexe. Et quand on les passe au crible de ces valeurs, on se dit, bah non, ce n'est pas la bonne solution. Et donc, il y a des confrontations. Il y a des moments où chacun n'est pas d'accord. Et ça s'exprime, et donc il faut pouvoir à la fois maintenir le lien entre les individus et en même temps prendre une décision sur laquelle, eh bien, par consentement, l'ensemble est d'accord. Donc là, ce sont vraiment des outils qu'on met en place pour venir réguler quelque part ça, mais il y a des engagements très forts. Après, c'est aussi, je ne l'ai pas spécifié, mais un lieu qui est situé au cœur d'un quartier politique de la ville, avec des caractéristiques sociales quand même très marquées. Donc c'est pas toujours simple non plus, c'est-à-dire que pour le coup on a beaucoup d'ados par exemple qui fréquentent, beaucoup d'enfants aussi, un peu moins d'adultes, et bien parfois il y a, malgré toute la bienveillance des collègues, des situations qui ne sont pas simples non plus, et du coup c'est comment est-ce que dans le collectif on arrive à les remonter d'un cran et à les gérer à ce niveau-là, et on va chercher des extérieurs aussi pour nous aider à pouvoir reprendre ça vraiment au niveau du collectif. On vous demande aussi, peut-être d'un mot là aussi, combien de temps y a-t-il eu entre l'idée de cette gouvernance et son application ? Finalement, j'ai du mal à mettre un temps, puisque le projet a mis du temps à se construire avec les citoyens, mais à partir du moment où il y a eu quand même quelque chose d'un peu solide, en fait, la construction elle s'est faite en parallèle par l'équipe. C'est-à-dire que du coup, entre le moment où on s'est dit il faut qu'on fonctionne et le moment où on a mis en place le fonctionnement, il s'est peut-être passé 3-4 mois. Et encore, je ne sais même pas parce qu'il y a eu un réajustement en cours de route, mais il n'y a pas eu un T0 où on s'est dit tiens, hop, on part sur il faudrait ce fonctionnement-là et on va le construire. Et au départ, quand on a lancé la démarche, hein, vraiment d'identification des activités, etc., je ne savais pas du tout à quelle forme ça allait aboutir. Je ne savais pas jusqu'où on pourrait aller. Enfin, c'est peut-être un des pièges quand on est dans ces démarches-là, de se dire « voilà ce à quoi je veux aboutir ». Si vous savez déjà là où vous voulez aboutir, vous ne pouvez pas remettre la question dans le collectif et construire en collectif. Il y a une forme un peu de manipulation derrière. Donc, pour pouvoir construire un collectif, il faut accepter de ne pas savoir exactement où on va et faire accepter autour de nous aussi, ce qui est parfois plus compliqué, qu'on ne sait pas vraiment où on va. C'est peut-être une des difficultés, si je fais le lien avec la question précédente, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on est dans beaucoup d'incertitudes, finalement. Il faut accepter de lâcher prise, il faut accepter de se dire que, eh bien, peut-être qu'on ne sait pas exactement demain ce qu'on va faire, mais ce n'est pas grave parce qu'il y aura de toute façon quelque chose, et accepter aussi de ne pas être au courant de tout, ce qui est parfois plus difficile humainement de se dire oh, je ne sais pas ce que font les gens en fait. Mais c'est pas grave parce que vous savez qu'ils font des choses dans l'intérêt du service et des habitants. Eh bien, je vous propose de nous arrêter là sur cette belle conclusion. Merci Aurélie pour toutes ces explications qui, je pense, auront passionné nos collègues. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau Bibliogrille. Vous en avez l'habitude désormais, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, ce sera très exactement le 10 mai, pour un nouveau Bibliogrille.
je ne vous dis pas encore le sujet, mais suivez nos actualités sur notre site BPI Pro, sur notre page Facebook BPI Pro, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre newsletter mensuelle. L'intérêt, c'est que vous ne raterez aucune de nos actualités, que ce soit à la BPI ou dans le monde des bibliothèques. Merci encore Aurélie, merci aussi à la régie qui a, comme toujours, su réaliser de main de maître ce bibliogrill. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Merci beaucoup et n'hésitez pas à prendre contact avec les collègues à la Bulle pour avoir des retours également de leur côté.